Je crois en la force la force est avec moi Je suis pas mal certain que beaucoup d'entre vous se souviennent de cette phrase savent de où ce que ça provient Je veux parler aujourd'hui de oui cette force cette énergie tout ce qui nous entoure quand on prend le temps de être dans l'instant dans le moment présent Comme d'habitude si on aime ce genre de vidéo s'il vous plaît on appuie sur like ça aide la vidéo à se classer. Sur YouTube, on appuie sur la cloche pour être informé quand il y a un nouveau qui est publié. Et aussi, on souscrit, on, on s'abonne à, à ma chaîne YouTube si vous voulez en avoir encore plus. La force, l'énergie, euh, les choses qui nous entourent, c'est difficile à identifier. Tout le monde a un certain nom qui apporte à ça, ce qui se passe autour de nous, dans nous, dans notre pensée. On va appeler ça une énergie, on va appeler ça une force. Il y, a, il y a tout le temps quelque chose qui se passe pour ou contre nous. Quand on prend le temps de ramener notre attention à là, en ce moment, c'est quand qu on, on commence à, à sentir cette fameuse énergie. Puis elle se manifeste de plusieurs, plusieurs façons et elle se manifeste différent pour peu importe qui qui prend le temps de porter attention à l'instant présent. Lorsqu'on vit là, on n'a plus à se casser la tête à ce qui va arriver demain et ce qui est arrivé hier. Parce qu'à l'opposé, si on veut vivre la journée aujourd'hui dans le moment présent, on doit oublier le passé et on ne doit pas anticiper un certain futur. Lorsqu'on vit dans le passé, malheureusement, ça, on commence à tomber dans un pattern de Ah oui, c'est tout le temps arrivé comme ça, bien, ça va encore arriver. Bon, là, on projette dans le futur que ça va se répéter ce qui est déjà arrivé dans le passé. On vient déjà de décider que le mot passé va être mon futur. Lorsqu'on se met à oublier le passé, soudainement, on ne peut plus penser au futur. Oh, oh, j'ai des buts, j'ai des objectifs dans ma vie, mais sont pas basés sur mon passé. J'ai un objectif précis. Mais cet objectif-là, c'est quelque chose au loin que j'essaye d'atteindre. Que ce soit demain, le mois prochain, à la fin de l'année, ou dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, peu importe quand. Mais c'est pas basé sur les événements passés. Lorsqu'on passe notre temps à penser à hier, c'est là qu'on tombe dans un mode un peu plus dépressif quand les événements du passé n'étaient pas exactement comme on voulait il est arrivé quelque chose on n'est pas content ça n'a pas créé ce que je voulais aujourd'hui ben on tombe un peu plus dépressif Puis après ça mon futur c'est quoi qui va devenir euh, moi je veux ça absolument demain euh, l'année prochaine je suis rendu là je vais prendre ma retraite là plus que le temps passe l'on tombe dans de l'anxiété la peur de ce qui peut ne pas arriver. Ça ne se réalisera pas. C'est ça qu'il va faire, comme on a des, nos, nos crises d'anxiété, qu'elles soient grandes ou petites. C'est par peur de ce qui pourrait pas arriver dans ce qu'on veut qui arrive. Au lieu qu'on prenne tout ce temps-là et ses pensées, puis on ramène ça à en ce moment. En ramenant tout notre focus à là, quand je dis là, c'est là. Je vous parle. Je regarde dehors, il est très tôt le matin. Le soleil, il s'est levé, puis il brille. Je prends le temps de m'arrêter. Je peux littéralement le sentir qui me touche. Ça fait bizarre à dire. Si vous n'êtes pas habitué d'avoir ce langage-là, croyez-moi, je n'avais pas ce langage-là. a plusieurs années, je ne parlais pas de cette façon, mais je prenais pas le temps de m'occuper de moi. Quand on s'arrête, puis on écoute, on entend quelque chose d'important. On ressent quelque chose d'important. On ressent nous et on entend nous. J'entends plus le passé, je vois plus le futur. Je fais ce qui est important aujourd'hui pour être heureux. Aujourd'hui. J'amène la force et l'énergie vers moi. Puis quand on fait ça, puis si vous ne l'avez pas déjà fait, essayez-là juste assis tranquillement, ne pensez à rien. Vous allez le sentir. Je, littéralement, je le sens en ce moment. C'est moi, ça me touche, mais c'est moi. Vous voulez avoir une vie heureuse. Vivez en ce moment. On ne sait pas demain ce qui va arriver. Pis ça ne sert à rien d'anticiper demain. On n'a pas besoin d'anticiper demain parce qu'on est aujourd'hui. Et vous allez voir, cette énergie, cette force va vous transporter beaucoup, beaucoup plus loin qu'on pourrait anticiper. Comme d'habitude, s'il vous plaît, utilisez cette énergie. Restez en santé et restez en sécurité. Salut.